C'est parti ? Mais c'est parti, et oui, car c'est la fête continue sur l'hippodrome de Cran. C'est les trois glorieuses et le moment tant attendu est arrivé, c'est-à-dire le grand, le très grand, l'immense grand cross de Cran. La foule est innombrable, la foule est immense, la foule est fabuleuse. Alors là, c'est le village, c'est tout l'aspect festif. Hier soir, il y avait une fête extraordinaire avec la violoniste Angie, puis après, bien sûr, le fameux concert de Nicolas Colery qui a été suivi, Nicolas Colery, c'était génial, hein, qui a été suivi par le feu d'artifice. Il y avait encore des milliers de personnes jusqu'à minuit hier soir sur l'hippodrome de Cran. C'était absolument génial. Vous voyez, dans le fond, là, c'est tout le fameux village du Trophée Vert, parce que le Trophée Vert aussi, c'est donc le grand challenge de trot sur l'herbe, sur le gazon, qui joue sa finale ce week-end pendant les courses de Cran. Il y a tous les présidents, il y a toutes les huiles de France Gallo et du monde des courses qui sont réunis ici dans cette ambiance absolument unique au monde, populaire. Enfin, c'est Cran, quoi. Ah bah alors les gars, tous les anciens jockeys, ça fait plaisir d'en venir là. Les chevaux de Grand Cross, moi, Laurent. Oui, voilà, j'ai monté qu'une fois le Grand Cross, moi. Alors, et Jean-Noël Joly, il est là. Et voilà, il est là. Toujours présent à Cran. Toujours présent. Ça, c'était un drôle de pilote, mon Jean-Nono. Alors, pareil, encore une image assez étonnante. Nous avons ici un landau, un berceau. Dans les écuries, tout à fait normal, tout est normal, bonjour. Dans les écuries, non mais c'est tout à fait normal. Et derrière, nous avons celui qui est sans doute le principal opposant à Beaumari. Il a 12 ans, il a un destin incroyable, je vais essayer de vous le résumer en quelques instants. Roi Mage, 12 ans, ancien vainqueur du Georges Courtois quand il était chez François Nicole. Deuxième du Ferdinand Dufort, battu de très peu. Après, il a fait plusieurs entraîneurs, il est arrivé en Irlande chez ce monsieur. Monsieur Patrick, see you again, Patrick Griffin. Ouais. Hello Patrick. Good to see you again. Good to see you, parce qu'on s'est vu à Corlay, il était deuxième du Grand Cross du Corlay. Il est super, hein. He's a perfect horse. You told us to come here after Corlay, so that's why we are here. Ah, c'est vrai qu'à Corlay, on a bu une petite bière après cette formidable deuxième place qu'il avait pris derrière Goldalen, et je lui ai dit, il faut venir courir à Cran, le Grand Cross de Cran. Il a dit, d'accord, je viens. C'est un défi. There is only one time in the history of the Grand Cross de Cran that a foreign horse won. C'est là, il y a une seule fois un cheval étranger a gagné, c'était Balthazar King, years ago. So you think you're going to make the history today? To be the first Irish. Hopefully, fingers crossed, he has every chance. The track looks magnificent. He's in great form. We have the best jockey, so fingers crossed, hopefully. Thank you very much, sir. Et oui, il serait lui, parce que le Balthazar King, il était anglais. Alors quand vous dites un Irlandais, c'était un cheval... Balthazar King, c'était anglais. Moi, je veux... Patrick, il m'a dit, je veux être le premier Irlandais de l'histoire à remporter le Grand Cross de Cran. Le cheval est dans une forme merveilleuse. Il est monté par James Reveley. Alors là, attention les yeux. Le cheval, c'est vrai qu'il est absolument splendide. Le voilà. Bonjour, Cassandra. Bonjour. Ça va? Oui. Bon, c'est toi qui le monte tous les matins, Beaumari? Oh, avec mon papa. On se partage. Lui, il fait les gros boulots et moi, je fais l'entretien et le reste. Ah, c'est William qui fait les boulots, qui le monte lui-même, ton père? Pour les gros boulots, oui. Bon, comment tu le sens, ton cheval? Bah, bien, on y est. Hein. Aussi bien, peut-être mieux, peut-être que l'année dernière? Oh, pareil, il est égal à lui-même. Et le défilé sera emmené, bonjour, hello, bonjour, par des Amazones. Regardez, c'est incroyable, hein. Regardez, elles sont magnifiques, les chevaux sont superbes, les toilettes sont magnifiques, les dames d'une élégance exceptionnelle, les Amazones. Le spectacle n'a pas de limite ici, sur l'hippodrome de Cran. Regardez, ils sont 15 000. Ils sont là pour venir voir les guerriers, les héros du turf, les rois de la piste, les chevaux qui vont affronter 31 obstacles parmi les plus redoutables du cross, qui vont sauter le grand fence de Cran, qui vont sauter le passage de route, qui vont sauter les contre-hauts. Merci, bonjour, nous sommes en direct. Merci Laurent Brunto. Alors là, on a toutes les générations, tous les profils. Félix de Gilles, bien sûr, le très célèbre Félix de Gilles qui fait son retour. Nous avons Léopold Bréchet qui est là, le tout jeune Léopold Bréchet. Nous avons Kylian Dubourg, l'un des meilleurs jockeys de cross. Nous avons ici Olivier Join. Bonjour Olivier, ça va Olivier? Qui va monter Beaumari, bien sûr. Bonjour Thomas, bonjour James Reveley qui est là. Bonjour James. Nous avons Théo Dumouche, ça va Théo? Tout jeune Théo. Ah Clément, le roi de Cran qui attend une première victoire dans ce grand cross de Cran. Le prince de Cran. James, ce grand cross de Cran, toi qui as tout gagné, tout monté dans le monde, tu montes 3 mages en plus, ça fait quoi? Je pense que j'ai une bonne carte à jouer cette année. Ouais. Ouais, je pense qu'il s'adapte très bien au parcours. La pluie, ça va surtout pas la désavantager. Donc ouais, je suis légèrement confiant. Nous allons sortir sur la piste, il y a une foule gigantesque et tout le monde reste très serein. Kylian Dubourg avec le numéro 1, Travel de Bel Air. Théo Dumouche, le jeune jockey, avec le jeune cheval, Sweet David, casaque grise et rouge, Sweet David. Sous les applaudissements de cette formidable foule de Cran qui s'est réunie
en grand nombre ici, qui applaudit les champions avant même le départ, le 3 Bilbao avec Clément Lefebvre. Nous avons ici le vrai, le roi, le phénomène, Beaumari, 13 ans. Voilà, on applaudit Beaumari, on pousse Beaumari, toutes les tribunes de cran sont pour, évidemment, Beaumari, qu'il apprécie tellement qu'il l'a fait vibrer. Derrière lui, nous avons le numéro 5 spécial du Rocher, poursuivi par C'est l'artiste Mold, cheval noir, 12 ans, qui revient sur les terres de ses exploits, avec Christopher Riou, tout seul, c'est Roi Mage qui vraiment a une toute première chance de gagner, il faut le dire. C'est un cheval qui a un parcours extraordinaire, il est monté par James Reveley, derrière Félix de Gilles, avec El Condor Fort Longe. Là du coup c'est pas le cheval qui revient, c'est le jockey. Et nous avons Hubert Guabo, la casaque du Guabo pourriez porter par Florian Besson avec Atsum, l'outsider. Regardez cette foule, et je suis sûr que Laurent Brunto, il va nous sortir une holla dans quelques instants. On va aller se placer, on va aller le rejoindre. On va voir si vous êtes en forme ici à Cran. On est en direct sur France Tire, on est en direct sur Etidia. Attention, Cran, on compte sur vous, on laisse sortir les Amazones tranquillement. On crie, on exulte, on se lâche, on y va, on encourage. Attention, 3, 2, 1, holà ! C'est parti ! Oh oui, 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 oui ! Magnifique, magnifique, on est prêt pour le grand stress, c'est parti. Merci. Et c'est Beaumari, sous les applaudissements du public. La première, ouais. Et c'est le très autoritaire, évidemment, Beaumari qui a pris l'avantage d'entrée de jeu. Beaumari qui a l'habitude des courses en tête, il est autoritaire, il ne laisse personne passer devant lui, il a 13 ans. Il tente cet exploit extraordinaire de gagner pour la troisième fois le Grand Cross de Cran. Ils viennent de passer la Douce Sèche, ils vont aborder le contrôle. Et c'est Beaumari qui est en tête, devant qui? Devant, eh bien justement, Clément Lefebvre qui monte Ilbao en deuxième position. Il est venu en deuxième position maintenant, Roi Mage, avec la casaque grise, le numéro 8, Roi Mage. Deuxième position derrière Beaumari, il sait que c'est la roue à suivre. Nous avons Josh Foreman contre Mohamed Ali qui sont là, et c'est Mohamed Ali qui est en tête avec, c'est un peu l'équivalent avec Beaumari. Roi Mage est deuxième position, est en deuxième position. Spécial du Rocher qui monte, qui rappe aux arbres en passant cette haie vive avec sa casaque jaune. Et Beaumari qui commence déjà à allonger ses foulées, monté par Olivier Join. Beaumari qui a décidé de s'imposer à la dure. On se rappelle à 12 ans aussi, je me rappelle très bien, il fait une simple haie ici. Crisetti qui avait... qui était vieux et qui était parti comme ça à fond. Dès le départ, il avait écrasé l'opposition du départ à l'arrivée. Ici, un talus qu'ils vont franchir. Beaumari est parti très grand. Il se balade. Roi Mage est en deuxième position. Nous avons toujours... Attention. Beaumari. Allez, Beaumari. Passe, passe, passe. Ah, Beaumari ! Ah, Beaumari est tombé ! Oh là là ! Oh là là ! Chute de Beaumari. Enfin, chute. Le cheval n'est pas tombé lui-même. Mais c'est juste... il a fait... Ah, merde ! Il a fait une petite boulette. Et il a éjecté son jockey, Olivier Join. Là, les tribunes, évidemment, sont terriblement déçues. Le cheval est en parfaite santé. Il est même encore devant. Va pas faire de bêtises, mon garçon. Et du coup, il a éjecté tout simplement Olivier Join. Et nous avons toujours Roi Mage devant Spécial du Rocher. Un 12 ans devant un 12 ans. Force d'Aconti en troisième position avec Léopold Bréchet. Nous avons Roi Mage qui est en tête. Va-t-il Roi Mage s'imposer avec James Revelet ? Deuxième position pour C'est l'artiste de Mold qui a retrouvé toute sa jeunesse. Ah là là, il paraît au-dessus du lot, le vieux Roi Mage, à 12 ans. Et Condor Fort Longe s'est rapproché en deuxième position. Et ça passe bien. Sweet David est-il capable de garder la 2 ou 3e place? Oui, sans doute. Rien n'est fait, il reste encore deux obstacles à franchir. Le Rose Penic. Oui, Roi Mage. El Condor, Sweet David. Et El Bao, 4e. Roi Mage. Ah là, il est à 300 mètres de l'exploit extraordinaire de Roi Mage qui a 12 ans. Avec Jérémy Zolet, va peut-être gagner. Le grand cross de Cran, il a tout connu dans sa carrière. Il a gagné Georges Courtois. Et aujourd'hui, à 12 ans, il a gagné grand cross de Cran avec James de Revelet. Un obstacle à franchir. Allez, Roi Mage. Et oui, ça passe. Roi Mage qui va aller au bout. Et Clément Lefebvre, deuxième, à la lutte avec Sweet David. Sweet David va terminer deuxième. Un 5 ans génial. Roi Mage. Oh là là, Roi Mage, le numéro 8 qui s'impose. Deuxième, Sweet David. Troisième, Ilbao. Quatrième, El Condor Fort Longe. Cinquième, c'est l'artiste de Maude le 6. Et dernière position pour Thomas Blainville. Patrick Griffin est là. Oh là 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 là! Congratulations! Thank you. Ah. Unreal. 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 Incroyable. Just incredible. Absolutely incredible. James Revelet qui est là.
Ouais, James Trevelyan, qui est là, qui va parader devant les tribunes. Voilà, lève le bras, lève. Ouais, fais profiter à la foule, James Trevelyan. Ah, il a des fans innombrables en France, James. Ah, c'est génial. Tu as... Ça va, James? Ça va, le cheval? Ah, impeccable. Il n'est jamais fatigué. Jamais. Il n'est jamais fatigué comme toi. Tu as des fans immenses en France et à Cran en particulier. Ça fait plaisir. Oui, mais c'est vraiment génial de voir les vieux chevaux comme ça performer encore. Ce cheval-là est incroyable. Il a jamais raté du temps depuis qu'il a 3 ans. Il a couru tous les ans. Et pour avoir un entraîneur, parce que c'est pas toujours évident de garder les vieux chevaux bien au moral. Et toi, ton émotion de gagner cette course? Ouais, c'est un des... C'est peut-être le plus grand cross de l'année. C'est magnifique. Ouais, ouais, ça c'est super. Bravo. Hugues, allez. Ah, je te sens extrêmement ému, comme président, mais aussi comme ami, non? Ouais, c'est... James, c'est comme mon fils, voilà. Ah ouais? On a beaucoup de... Il était à la maison hier soir, il était au sauna ce matin. Chez toi, ton sauna? Oui, oui, oui. Longtemps qu'il ne marche plus. Ben oui, parce que j'étais gentleman, mais j'étais toujours très lourd. Pas très bon déjà, mais lourd. Et James, à chaque fois qu'il a l'occasion, il vient à la maison. Et c'est un ami, c'est comme mon troisième fils. T'es ému, là? Ouais, un peu, ouais. On dort bien chez Hugues, c'est ça? Ouais, le lit était confortable, je me suis bien reposé, merci. Et le sauna marche bien? Ouais, il est un peu chaud, mais j'ai bien perdu. Super. Mais ça, c'est très familial, les courses en France. On va dormir chez le président. Bravo. Regardez. Bravo, James. Bravo. Voilà, les oreilles pointées. Romage. The King of the Day et le vice-président de notre stack, Frédéric Landon, doit être très fier de voir revenir un ancien Français. C'est ce qu'on essaye de faire justement, faire revenir ces chevaux courir en France. C'est un cheval extraordinaire, élevé en France. À 12 ans, de le voir toujours aussi pugnatif, non, c'est superbe. Très belle course. Et voilà, nous revenons avec Romage dans l'intimité des écuries. Nous avons quitté le bruit et la fureur. Nous avons quitté les applaudissements et dans toute intimité, nous quittons Romage, partir, revenir en Irlande. Bravo Romage, bravo Romage. Et voilà, nous sommes à Cran. Nous venions de voir un guerrier féroce qui vient de gagner le Grand Cross de Cran, l'une des courses les plus d'obstacles les plus dures au monde, le Morodant. Et nous partons avec des petits-enfants qui, j'espère, avec leurs parents, ont profité d'un beau spectacle. Au revoir.